Et salut! Et ouais, vous pensez que j'allais dire ok yo les gens c'est Ninjax? Eh ben non, je l'ai pas dit, hé, hey, je vous ai baisé. Ouais, je suis trop fort. Hein. Sans déconner, plus le temps passe et plus les intros sont de plus en plus nuls en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est ce qu'on aime. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 12, 13, 14, je sais plus combien de RL Craft. J'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai beaucoup de choses à faire. Et je pense que ça va vous plaire. Mais avant de passer au sujet de la vidéo d'ailleurs, faut que je vous dise un truc. Alors merci de suivre RL Craft. Le truc, c'est que je fais d'autres vidéos sur ma chaîne. Hein, y a pas que RL Craft. Hein. Donc ce serait quand même cool que vous allez voir les autres vidéos aussi. Par exemple, il y a deux jours, j'ai sorti, deux ou trois jours, je sais plus. J'ai sorti une vidéo survivre sur Minecraft avec un demi-cœur. Elle était vachement bien, je vous conseille d'aller la voir. Après cette vidéo... Bien sûr. Bon sinon, pour passer à l'épisode, parce que oui, il faut bien faire cet épisode, j'ai avancé en solo un peu. Déjà, comme vous pouvez voir, l'extérieur a changé. C'est pour mon dragon, c'est normal. Ah, j'ai laissé un bloc d'ailleurs. C'est pour mon futur dragon de feu, comme je vous ai dit, j'allais l'augmenter de niveau avec des dragon mill. J'en ai fait 55 pour cet épisode. Ouais, j'ai farmé. Ouais. Et t'es content que j'ai farmé, comme ça, je le fais pas en vite. Oh putain la pluie casse-toi. Moi j'accepte pas la pluie dans mes débuts d'intro bordel de merde. Donc je disais ouais t'es content que j'ai farmé comme ça je le fais pas en vidéo. Alors j'ai aussi créé une gourde ce qui est incroyable. Ouais c'est incroyable de créer une gourde parce que je l'avais pas fait depuis 10 épisodes. Pourtant c'est très pratique. Et j'ai aussi créé un atlas qui me permet de bah tout simplement cartographier tout mon monde. Comme vous pouvez voir il y a déjà des petits trucs de marqués et tout. Bon je vais pas vous spoil. Il y a déjà plein de petits trucs marqués d'ailleurs. J'ai vraiment pas envie de vous spoil parce que ça va être les prochains épisodes en fait. Je me suis enfin décidé de m'organiser. Bon sinon je vais vous expliquer le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais tout simplement augmenter la taille de mon dragon. Donc faudrait quand même que je le sorte et que je le fasse grandir un peu. On va laisser le dragon de glace dans son œuf encore pendant un petit moment. Tout simplement parce que j'ai pas envie de m'occuper des deux dragons en même temps, ça va être chiant. Donc je préfère m'en faire un par un. Et puis le plus gros de cette vidéo, on va aller chasser un cyclope. Alors oui les amis, dans le mode Ice and Fire, donc le mode qui rajoute les dragons, il y a aussi d'autres monstres un peu légendaires, comme les cyclopes, Médusa, etc. etc. Et ça va être ça le sujet des prochaines vidéos en fait. Autant terminer un mode en beauté, non. Pas juste faire les dragons du mode, autant faire tous les boss du mode. Donc c'est pour ça, on va aller buter un cyclope aujourd'hui, ou deux. Je sais pas, on verra, en fonction de mon humeur. Bon, avant de faire ça, avant de faire EP mon dragon, il me faut un dragon staff, je sais plus comment on le fait. Ok, c'est comme ça qu'on le fait, il faut juste un bout de bois et bon, j'ai une tête de dragon, c'est bon, il faut juste un bout de bois. Je dois en avoir dans mes coffres, mais bon, vu que je range pas mes coffres, là, il y en a un là. Bah, je peux pas savoir si je range pas mes coffres, hein, j'ai envie de dire. Alors, tac, tac, on le crée. Comme par hasard, il faut une table de craft, merci. Oh, je me suis fait prank ou quoi, là? Pourquoi ça marche pas? Ah, d'accord, fallait que ça soit obligatoirement dans ces deux cases-là, eh ben. Bon, ça, je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que ça permet de contrôler les dragons. Vous avez décidé de son nom dans les commentaires, j'ai oublié de vous le dire. Vous avez décidé de l'appeler Omelette. 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 Vous êtes sérieux? Arrête de te barrer, toi. Eh, reviens ici, toi. Il fait déjà le dissident. Reste là, tu bouges plus. Ouais, donc vous avez décidé de l'appeler Omelette. Pour moi, ça me dérange pas, j'irai le faire tout à l'heure. Et bien sûr, c'est pas une technique pour faire passer le temps. Et comme ça, vous oubliez. Bien sûr. Bon, les petits dragons, on va te nourrir. On va lui donner full bouffe, hein, tout, hein, tout ce que j'ai. Vous m'avez dit que on peut le faire grandir de malade. Effectivement, il commence à grandir énormément déjà, là. C'était peut-être pas assez grand l'enclos que je lui ai fait. Je viens d'y penser maintenant, mais. Il va peut-être péter ma maison en fait. Allez, mange. Il m'en reste plus que 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok, désolé, oh, désolé, Omelette. Oh, trop bien. D'accord, là, le dragon, il est assis. Et là, le dragon, il est levé. Ok, donc ça permet de faire ça. Attendez, on va aller. Waouh, je suis sur son dos là. Waouh, j'ai pas fait exprès. Waouh, calm down. Attends. Waouh, c'est trop stylé. J'ai pas fait son enclos assez grand, bordel de merde. Bouge de là, dragon, là, Omelette, là, bouge de là. Ok, c'est bon, je peux ouvrir. Merde, je savais pas qu'il fallait un enclos aussi grand. Ok, bon, attendez. Pour faire une armure en dragon. Ah oui, il faut des blocs de diamants carrément. Ok, oh. Ok, je peux faire 6 blocs. Ok, d'accord, waouh, ok, ça coûte extrêmement cher. On va juste faire une tête pour l'instant. Ah ouais, ok, je peux juste faire un diamond. Me dis pas qu'il le faut complet aussi. Moi je dis on va faire un petit tour avec le dragon parce que j'ai envie de tester ça. Et puis je pense que vous avez tous envie de tester ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Ok, comment ça fonctionne par contre? Ok, là je m'envole. Oh c'est trop bien les amis. Oh par contre c'est vraiment trop bien. Hein. Oh c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Non. J'ai pas pris de dégâts. Pourquoi j'ai pas pris de dégâts? Putain ma touche. Alors, c'est quoi ma touche pour descendre? C'est la troisième fois que je le fais, même avec l'hippogriffe, j'ai fait ça. Hein. Allez, je suis bloqué sur mon dragon. Bon, attendez, c'est pas grave. On s'en bat les couilles de descendre, vas-y, on va explorer un coup avec le dragon. Genre ça, là. Normalement, je peux faire un truc du style comme ça. Oh, ça fonctionne! Ok, bon, j'avoue, ça c'est stylé. Ça, c'est très stylé. Ok, bon.
On va pas carboniser la zone, faut pas déconner. Faut pas abuser des bonnes choses, comme on m'a toujours dit. Donc le dragon, il va retourner dans son enclos, là. Et il fait trop de bruit, en plus, ce con. Hop, voilà. Oh là là, regardez-moi ça, comment il est beau, mon dragon. Il a bien grandi, hein, en quelques minutes. Je vous rappelle qu'il y a 5 minutes, il était encore tout petit, comme ma jambe gauche. Enfin bref, c'est tant mieux. Bon, ça, c'était la première partie de la vidéo. On va laisser le bâton ici, d'ailleurs. Bah, maintenant, vous pouvez voir que j'ai un dragon qui est fonctionnel et qui vole. Ça, c'est vraiment badass. De toute façon, j'ai d'autres projets pour lui, vous verrez un peu plus tard. La deuxième partie de vidéo... Bon, par contre, calme-toi, le dragon, s'il te plaît. Je disais, la deuxième partie de vidéo va se faire avec l'Atlas. Ça permet, en gros, de générer une carte pour mes voyages. Comme vous pouvez voir ici, c'est ma maison. C'est le point rouge. Et il y a des têtes de mort un peu partout. Oh, vous avez été spoil, là. Il y a des têtes de mort un peu partout que j'ai répertoriées. Donc, ça, c'est les endroits où je suis allé vérifier, en fait. Je suis allé me balader, etc., etc. Mais en fait, j'ai cartographié, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait péter la gueule à un cyclope. Ouais, comme ça, j'ai envie. Donc sur la map, il y a 3 têtes de mort en tout. Il y en a une, il y en a 2 qui sont au sud. Donc il y a le premier ici, c'est un cyclope. La deuxième ici, c'est Médusa. On ira le faire dans un prochain épisode, vous en faites pas. Et la troisième tête de mort ici, là, c'est un autre cyclope. Juste que j'ai pas écrit cyclope. Donc je pense, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec un griffon qui est en bas d'ailleurs, je voulais même pas montrer. Mais j'ai un griffon d'ailleurs. Et puis on va tout simplement lui péter sa gueule. Par contre, avant, ça demande... un minimum de préparation. Alors pourquoi je dis ça? Parce que regardez, il y a une armure spécialement faite pour le cyclope. Si vous connaissez pas le cyclope, c'est une créature légendaire qui a un seul œil et qui adore les moutons. Me demandez pas pourquoi. Donc on peut se déguiser en mouton. Et ça c'est trop marrant. Donc on va faire le stuff là, ça demande pas trop de trucs. Juste un peu de laine et un stuff en cuir, donc ça va. Et puis après on va aller péter la gueule au cyclope, hein, j'ai envie de dire. Hein. Par contre, dragon, tu fais vraiment beaucoup trop de bruit. Bon, j'ai fait le stuff, mais ce bâtard de dragon... Voilà. Oh, il faisait trop de bruit, hein. Oh, je vais le remettre là et puis... Non, pas le livre. Lui, voilà. Donc sinon, j'ai fait le stuff, je vais le mettre et puis on va voir à quoi je ressemble. Est-ce que je ressemble vraiment à un mouton? Peut-être. Sans doute. Un mouton au chocolat. Donc on va y aller avec ce stuff que vous voyez. Je suis censé ressembler à un mouton, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et on va voir si le cyclope m'agresse. S'il m'agresse pas, on va pouvoir lui défoncer sa gueule par surprise. Alors ça va, c'est pas très loin, je dois juste faire tout ça. J'avoue, j'ai dit pas très loin, mais en fait, je dois faire tout ça quand même. C'est pas grave, on va y aller en dos d'hippogriffe, au moins c'est plus rapide. A few moments later. Ok, non, j'arrive bientôt. Ouais, je suis juste à côté là, nickel. Je sais toujours pas descendre d'une monture en fait. Et ça va. Oh oui, c'est juste là, regardez. Oh, il est là, vous le voyez? Oh, il m'a l'air déjà extrêmement stylé. Ok, bon. J'ai une idée, je vais me poser. Je sais pas où je vais me poser, dans l'eau, tiens. Moi, je suis sûr de pas prendre de dégâts de chute si je me pose ici par exemple. Hop là, voilà. Et j'ai quand même pris des dégâts de chute. Bravo Ninjax. Bon, je vous rappelle que je suis déguisé en mouton. Bon, ça y ressemble pas, mais je suis déguisé en mouton, vraiment. On va y aller discrètement et subrepticement. Il y en a plein qui connaissent pas ce mot, mais bon, c'est comme ça. Et puis on va voir s'il me bouffe. En vrai, j'ai peur qu'il me one-shot, vraiment. Vu que j'ai pas d'armure, là. J'ai encore mon armure de dragon sur moi, donc c'est pas vraiment la meilleure idée, mais bon. Bonjour, je suis un petit mouton. Je crois qu'il m'agresse pas. Le déguisement fonctionne, les amis. Attends, on va voir. Oh, le déguisement fonctionne, il m'agresse pas. Mouton. Je sais pas, ça fait quel bruit un mouton en vrai. Mouton. C'est bon, il m'agresse pas. Ok, bon, easy. Bon, si je l'agresse, je suppose qu'il va me taper. Je pense, hein. Oh, il m'agresse là. Oh, calme-toi. Ok, je crois que je dois rester en sneak. Je suis pas sûr. Il m'a mis 3 points de dégâts quand même, hein. Ok, tu veux faire le malin avec moi, toi? Laisse-moi préparer le terrain. Alors là, tac. C'est l'heure de se faire défoncer, mon petit cyclope. Oh, il fait des animations bizarres quand même. C'est vraiment bien. Franchement, j'adore ne pas bouger mon cul et buter les monstres. Parce que là, je bouge pas et il meurt. Hein. Après tout, je ne suis qu'un simple mouton. Bon, le premier, on va le buter de façon un peu pute. Parce que je vais pas vous cacher que c'est marrant. Le deuxième, qu'on va aller faire juste après, on va le tuer de façon legit. Je vais vous aider. Aïe, il m'agresse un peu là. On termine. Wow, il allait m'agresser là. Ok, il est mort. Bon, direction le deuxième cyclope, j'ai envie de dire, hein, qui lui est un peu plus loin quand même. Ok, il est droit devant normalement. Bon, c'est parti, hein. Bon, j'y vais doucement mais sûrement, mais je vois plus rien là. Ok, il y a des montagnes devant moi. Ok, je me suis cogné comme une merde. C'est long quand même un voyage, hein. Je viens d'y penser, mais c'est très long. Mais pourquoi je trouve des structures de fou maintenant là? Eh, j'ai pas envie d'explorer, c'est ça qui m'énerve en fait. J'ai juste envie d'aller. Je vais aussi le noter, voilà. Machin chelou, c'est parfait. Non! Fils de pute de dragon! One eternity later. Bon, je suis retourné à pied. Dites-vous que ça m'a pris
10 minutes déjà et je freeze comme pas possible à cause de tout mon stuff est là. Putain de dragon qui a buté mon griffon quoi. Ça parce que j'étais en grande. Oh, je suis vraiment deg. Hein. J'espère que j'ai tout mon stuff, j'espère vraiment. Alors déjà dans un premier temps. Voilà, on met ça, on remet le truc de dragon pour pas me faire agresser par des dragons. Il fait nuit en plus là. Oh putain, il y a full vindicateur là-dedans là. Heal-moi s'il te plaît toi. Ah je freeze, c'est infâme. Ah oh, c'est infâme. Ok, je vais juste me barrer d'ici en fait, c'est tout, je vais juste me barrer d'ici. Ok, j'ai ma potion de recall, je vais l'utiliser. Hein. Bon bah les couilles, voilà. Oh là 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 là. Ok, c'est bon, j'ai encore mon atlas. C'est ce qui me va, c'est ce qu'il me fallait. Bah je pense qu'on va y aller avec le dragon, hein. Au moins j'ai envie de dire, là je vais pas me faire péter la gueule. Ouais c'est bon, ouais. J'ai décidé de sortir les grands moyens et j'ai décidé d'y aller avec le dragon. Hein. Au moins qu'il serve à quelque chose ce dragon. Et en plus je vais pas me faire agresser par les autres dragons. Et je vais pouvoir niquer tout le monde. Ah non mais ils m'agressent vraiment en fait les autres dragons là. Ah d'accord, ok, ils s'en battent les couilles. Hein. Ok, bah on va juste continuer, je vais juste tracer ma route. Note à moi-même, je ne sais toujours pas descendre des montures en fait. Que putain, mon hippogriffe parti trop tôt. Je venais de le capturer quoi. J'ai le seum. Ok, on s'approche très bientôt du cyclope. Ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on va pouvoir aller lui péter sa gueule. J'espère. J'espère qu'il va pas me péter la gueule à moi. Là, faut pas que je fasse le con vu que j'ai plus de potion de recall. Donc voilà. Parfait, regardez, c'est parfait. Il y a de l'eau juste là. On va faire ça. Il y a des monstres, mais au moins... Je suis tombé dans l'eau et je suis pas mort. Putain, il y a des vers chelous. Ah, je suis jamais allé dans une. Eh, lâche le villageois, lâche le villageois, toi. Alors, je ne suis jamais allé dans le désert, dans RLCraft encore. C'est tout nouveau là, ce qui arrive pour moi là. Il y a des monstres que je ne connais même pas. Comme dans les films de Far West. C'est trop bien, regardez, il y a comme dans les films de Far West. Bon, c'est trop cliché, mais bon, c'est marrant. C'est où que je dois aller? C'est tout droit par là-bas, ok. Ok. Là, normalement, je suis à côté du cyclope. Ouais, c'est juste là, regardez. Alors, attendez, on va mettre le déguisement. Merde, quel con. Non, j'ai fait un deuxième pantalon au lieu de faire des bottes. Ok, on va dire que vous allez rien voir, ok. Oh mon dieu, mais par quelle magie j'ai eu des bottes et mon pantalon a disparu. On se le demande tous. Oh là là. Donc, le cyclope. Alors, on va y retourner, on va voir s'il m'agresse alors que j'ai... Oh, là, il veut m'agresser déjà. J'ai tout le stuff, donc techniquement, il devrait pas m'agresser, on va voir. Bonjour, monsieur le cyclope. Je suis un mouton. Mouton. Mouton, je sais toujours pas ça fait quel bruit, hein, donc voilà, si vous demandez pourquoi je fais ce bruit-là, hein, c'est bon, il m'a pas cramé. Vu que j'ai quand même mon dragon ici, j'ai une idée pas débile, hein, j'ai mis mon dragon et le dragon staff à l'intérieur, comme ça au moins si je meurs, j'aurai juste besoin d'ouvrir ce coffre, là, pour plus tard. Hein. De toute façon, je vais pas mourir, hein, parce qu'en fait, j'ai décidé de cheater, et ouais les mecs, j'ai décidé de ne pas porter mes couilles, non si, je vais porter mes couilles, le truc, il m'agresse pas, yes, il m'agresse pas, le truc, c'est que je vais être aidé de ça. C'est parti, on le défonce. Ok, il m'écrase. Ah, il m'a attrapé, il m'a attrapé. Il vient de me bouffer, là. Ah ouais, mais par contre, mec, non, mais fais pas ça, par contre, j'ai juré. 3 hours later. Oh putain, il allait me fumer, là. Il est là. Il me suit. Non, c'est bon, il me suit pas. Oh, il est tombé. Oh, ce con, il est tombé, regardez. Ça, c'est ma chance, les amis. Hein. Ça, c'est juste de la chance. D'ailleurs, pourquoi je saute aussi haut? Je ne sais pas. Ah si, je dois avoir mis les bottes à la con, là. Hop là, et voilà. Regardez-le. Il est en train de se noyer. Oh, et je tue tes moutons. Oh, mon bâton d'invocation, ça c'est important. Et je tue ces moutons de merde. Et il est en train de se noyer, regardez. Oh, c'est mignon à regarder, putain. C'est mignon à regarder. Est-ce que lui, il m'a donné un œil de truc? Je ne pense pas, j'ai pas l'impression. Non, il m'en a pas donné, hélas. J'avais pourtant l'impression qu'il... Bah, je sais pas, hein. Moi j'avais vu sur le wiki qu'il donnait un œil de cyclope. Alors, pour ceux qui se demandent aussi, là, ça c'est de l'or. Hein. Ça c'est des pépites d'or, vous allez regarder, hop, ça me donne de l'or. Bon bah, on va rentrer à la maison, je pense. Hein. Je vais prendre ça et je vais me barrer à la maison, en fait. Et voilà, la maison. Yes. Bon, attendez, faut que je me gare quand même encore. Ok, donc on aura réussi à buter 2 cyclopes quand même, c'est vraiment pas mal. Bon, encore une fois, de façon frauduleuse, mais bon, c'est pas grave, ça, on s'en fout. Hein. Dans le prochain épisode, je pense qu'on ira tuer Méduse. Calme-toi, le refresh de Chung, calme-toi. Donc, je disais, dans le prochain épisode, je pense qu'on ira buter Médusa. Et dans le prochain épisode encore, on ira sans doute faire le dragon de glace. Tiens, vous en faites pas, j'ai pas oublié, on va renommer le petit dragon en omelette. J'ai trouvé l'étiquette. Oh non, mais qu'est-ce qui m'arrive à mon corps? Oh non. Oh, oups, l'étiquette vient de se lâcher au sol et a été volée par un kobold. Ah bon, bah les amis, je peux pas renommer le dragon, je suis désolé, on fera ça la prochaine fois, promis, MDR. Merci d'avoir suivi cet épisode, c'était Ninjax, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et de prochains lives. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, c'est très important. Et moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao.